Hello. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle petite section du sentier du Moulin qui s'appelle la Fabuleuse. Une piste bleue qui est encore en construction. Donc, qu'est-ce que je vous montre présentement? Ce n'est que le début. Fait qu'un petit avant-goût en ouverture officielle. Ça fait que c'est une piste qui est en construction. Depuis l'été dernier, le sentier du Moulin font beaucoup d'efforts pour offrir des pistes de tous les calibres. Donc, après vous avoir présenté la monstrueuse Magneto cette année, on va en avoir une pour tous, la Fabuleuse. Ça fait que c'est une superbe petite piste flowy qui va être pas mal dans les plus faciles du secteur, je dirais. Fait que quelqu'un qui vient faire, exemple, les petites QMG, ça va être une super belle piste pour eux autres. Fait que pas besoin d'un gros bike. Pas besoin d'avoir 180 de travel. Vous venez faire ça avec à peu près n'importe quel bike. Fait que une super belle petite piste qui risque d'être hyper populaire. Ça fait qu'elle se prend au petit hub principal. Ça ici, ça va un petit peu plus vers le nord. Donc ça, c'est... Je suis encore dans la piste, oui, je suis correct. Je veux comme pas faire de section fermée, excusez. Toujours dans la Fabuleuse ici. Yep. Ça, je roulais l'an passé, je revenais de faire une vieille Léon, puis je voyais ça, je suis comme, c'est quoi cette belle petite piste-là? Ça fait que, comme vous voyez, rien de super fou. Pas de piège, pas rien qui risque de vous faire passer par-dessus votre bike. Fait que, si vous savez pas quoi venir rouler au sentier du Moulin, c'est une excellente option. Celle-ci. Alors, pour l'instant, le reste est terminé. On va respecter ça. Alors, de mon côté, je vais aller vous montrer la toute nouvelle Power Metal Ballade. Double bleu. Qui a été ouverte, ça fait à peu près 10 jours. On a eu des bons intempéries hier, je crois. Donc, ça se peut qu'elle soit un petit peu humide. Vous en êtes donc averti. Ceux qui montent, on fait une stop. Nous autres, on peut continuer. Ça fait que la Power Metal Ballade est la toute nouvelle piste de Empire 47. C'est une double bleue, selon leur classification. Donc, on peut tout simplement voir ça comme une bleue. Et c'est une piste qui va être assez facile. C'est possible d'être roulé par après tout le monde qui a un petit peu d'habileté de base. C'est une très belle piste pour se déjeuner un petit peu en bière 47. S'amuser un peu avec le flow du centre. Ça fait que versus une piste comme la Chamane, qui elle va avoir un peu plus de sauts, un peu plus d'obstacles en bois, fait que des... Oh! J'ai manqué ce saut-là, excusez, j'étais pas concentré. C'est ça, elle ici va être beaucoup plus naturelle. Pas de gros obstacles, pas de gros défis. On va avoir un gros obstacle de North Shore à la fin, qui va nous permettre de passer par-dessus une des pistes. Sinon, comme vous le voyez, c'est vraiment une piste qui s'adresse à tous. Je vais manquer un peu de cardio. C'est vrai que c'est la piste parfaite pour venir rouler avec les enfants, pour initier la copine. C'est sûr que je vais amener la mienne essayer ça. On arrive ici, notre grosse construction de bois. On va la fondre pas glisser. Hop. Je sais pas, on passe à côté de quelle piste, ou plutôt au-dessus. Ça serait-tu la descente du coude?
si vous le savez, dites-moi dans les commentaires, je suis comme curieux. J'ai pas remarqué la piste qui passait. Si vous aimiez... Oh, un petit drop! Oh. Si vous aimiez l'aspect accessible de la Huron, je dirais qu'en ordre de difficulté, la Power Metal Ballade pourrait être votre prochaine. On va même devoir vous lancer dans les pistes comme la Kamasutrail. Il règle un petit problème technique. Hop. Fait qu'ici, la dernière section, un petit peu plus de vitesse, la piste est un peu plus large. On va avoir des bons berms qui vont te permettre de rester très rapide. Hop. Quelques petites possibilités de saut. Mon vélo qui craque, oh non! Ça ici, les derniers mètres. Hop. Et voilà, c'était la Power Metal Ballade.